Alors ça craint. T'as vu le garçon? Il a des pistolets. Ouh, des vrais pirates. C'est des révolutionnaires, mais ils disent que ce n'est pas en 1789, mais sur les barricades d'une autre révolution. Regarde, un sans-culotte. Cette femme est le symbole de la liberté qui entraîne le peuple parisien à la révolte. Elle marche sur un tas de morts, ta liberté. Bah, c'est pour ça qu'on dit la liberté ou la mort. Je trouve que ce tableau, il donne pas envie de la faire, la révolution. Elle a peur d'un tableau. Oh, t'imagines si ça existait réellement? Ce tableau est une véritable page d'histoire de France. Ils avaient des livres d'histoire super grands à l'époque. Attends, tu veux dire que ça existait pour de vrai, ces morts et les barricades? Delacroix, c'est un révolutionnaire? Non, c'était un peintre, mais il était aussi un peu journaliste et... Les journaux, ils étaient en peinture? Mais non, mais avec ses pinceaux, Delacroix a voulu raconter les horreurs de son époque, comme un reporter. En tout cas, Delacroix, il est super courageux de peindre au milieu des barricades. La liberté guidant le peuple, musée du Louvre. Ceinture jaune. Mais non, c'est de la lutte bretonne. En plus, c'est marqué. Tu vois bien qu'ils n'ont pas de kimono. Et qu'est-ce qu'il fait, là, Napoléon? C'est pas Napoléon, c'est un gendarme. Ouais, mais il fait rien, ils se battent, ils devraient les arrêter. Y a pas que lui qui fait rien, les gens derrière, ils ont l'air de s'ennuyer. Ils ne s'ennuient pas, ils respectent. Pour eux, en Bretagne, en 1890, la lutte bretonne, c'était important, c'était une grande fête. Moi, je dis que c'est celui de droite qui va gagner. Ouais, vas-y, plaque-le. Ils ont des super gros pieds. Oh, ils vont écraser le nom du peintre. Paul Sérusier. C'était un nabi. Waouh, il s'appelle comme moi, copieur. Les nabis étaient un groupe d'artistes qui aimaient montrer la vie de tous les jours avec un dessin simple et des couleurs profondes. C'est vrai que l'herbe, elle est jaune de chez jaune. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu m'as filé un cours sur les nabis, alors je te donne ton premier cours de lutte bretonne. Lutte bretonne, musée d'Orsay. Venez voir la position des jambes. Jeanne Avril Dansant. C'est joli comme nom, qui c'était? Attends, c'était une des plus connues des danseuses de French Cancan. Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse-Lautrec. C'est ça le French Cancan? Non, tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite. Comme ça? En plus, ça raye le parquet. Regarde celui du tableau. Mais non, c'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement. Toulouse-Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient. C'était pris sur le vif, comme on dit. Je croyais que les boîtes de nuit, c'était plein de couleurs. Là, c'est pas très gay, y a plein de marron. C'est pas du marron, c'est du carton. C'est même pas peint partout. C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Il adorait peindre les French cancans et comme il était noctambule... Il ne fallait pas le réveiller. Mais il faut pas réveiller un noctambule, c'est connu. Somnambule, pas noctambule. Il passait ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses. Jeanne Avril Dansant, musée d'Orsay. Pas un zombie, c'est l'homme qui marche, de Rodin. Bah, il a ni bras ni tête. Rodin, il a pas eu le temps de le finir. En fait, c'est une ébauche pour la statue d'un saint. Une ébauche? Un brouillon, si tu préfères. De toute façon, on n'a pas besoin de sa tête pour marcher. C'est fastoche. D'abord, on pose le talon par terre, puis le reste du pied et... Hop! Regarde ton pied gauche. T'as relevé le talon, alors que la statue, elle a les deux pieds bien à plat sur le sol. C'est parce qu'en fait, Rodin a triché. Il a pris deux mouvements pour n'en faire qu'un. Regarde.
Quand tu commences ton pas, c'est le pied gauche qui est à plat. Et quand tu avances, c'est le pied droit. Alors c'est comme si son homme qui marche était entre deux pas. Oui, et ça donne une plus forte impression de mouvement. Trop fort. C'est vrai que vu d'ici, on dirait que l'homme va nous marcher dessus. Oh là là là. Et moi, il me donne le vertige. Après l'homme qui marche, le petit qui tombe. L'homme qui marche, musée d'Orsay. Super scène de chasse. Ah, c'est horrible. Wow, ils ont pas l'air commodes les chiens. Et c'est des pitbulls. Bah non, juste des chiens de chasse. Des braques je crois. Loup tenant tête à 6 chiens, Jean-Baptiste Oudry, 1722. Il y en a plus des loups en France. À l'époque de Louis XV, il y en avait des tas. Et chasser, c'était le passe-temps favori des rois et des nobles. Bah moi, ce que je préfère dans ce tableau, c'est la forêt avec ses grands arbres et ses belles lumières dorées. Oh non, les chiens, ils sont super bien peints. Avec les yeux qui leur sortent de la tête, les crocs énormes. Eh, regarde le loup, il est mort de trouille. Moi, je trouve qu'ils sont tous épouvantables. Ils ont pas des têtes d'animaux normaux. Et pourtant, Jean-Baptiste Oudry était le plus grand peintre animalier de son temps et spécialiste des scènes de chasse. Ah bon? Il y a même pas de chasseur dans le tableau. C'était les animaux qui l'intéressaient, pas les hommes. Quand même, moi j'aime pas la chasse. C'est cruel. Petite nature, va. Loup tenant tête à 6 chiens, musée national du château de Fontainebleau. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, la dame? Les cribleuses de blé de Gustave Courbet, 1854. Eh ben, c'est des cribleuses de blé. Ouais, je te remercie. Et c'est quoi, des cribleuses? Je pense qu'elles passent le blé dans un grand tamis et les bons grains tombent sur le tissu par terre. Et celle qui dort, là? À mon avis, elle fait la même chose, mais grain par grain. Et elles font ça toute la journée? Les pauvres! Mais c'était super fastidieux avant les travaux de la ferme. Maintenant, il y a des tas de machines. Mon grand-père, il a un tracteur. Il a une ferme, ton grand-père? Oui, j'y vais à toutes les vacances. Je m'amuse drôlement. Et j'aide aussi. Comme Courbet, alors? Non, écoute ce que la critique a dit à l'époque. Un grand format pour un sujet de si peu. Pourquoi de si peu? Parce qu'en 1850, les peintres ne peignaient jamais les gens de la campagne dans leur vie de tous les jours. C'est vrai qu'on s'y croirait presque. Vous sentez l'odeur du foin? C'est exprès, le peintre, il voulait qu'on sente la vie des gens. Alors je suis sûr que tu sens bien la vie du petit garçon, là. Il n'y a que lui qui fait rien. Les cribleuses de blé, Nantes, musée des Beaux-Arts. Du nudisme? Mais non, elles viennent de se laver. C'est le nom du tableau, Diane sortant du bain, de François Boucher. Ah bon, alors là, elles se font sécher. En tout cas, elles avaient pas de complexe. C'est la déesse de la chasse, y a pas de raison. Elle est pas gênée, elle a amené son fauteuil. C'est pas un fauteuil, c'est un tronc d'arbre tout bien arrangé. Jupiter, son père lui a donné les bois comme maison. C'est pas la déesse de la chasse, c'est la déesse du camping. Elles se mettent pas beaucoup au soleil, elles sont toutes blanches. La prof nous a expliqué qu'avant, si on était bronzé, c'était pas beau du tout. Ça voulait dire que c'était une paysanne et pas une grande dame. Et maintenant, c'est tout le contraire. Hé, j'avais pas vu les animaux morts par terre. Eh ben c'est normal, c'est la déesse de la chasse, alors elle chasse. Une déesse, elle n'a pas besoin de manger. Mais si, comme tout le monde. Ils étaient spéciaux, leurs dieux, en ces temps-là. Ils étaient faits comme nous, juste qu'ils avaient des pouvoirs. C'est que c'était bien pratique pour les peintres, toutes ces déesses. Pourquoi? Eh ben, comme ils n'avaient pas le droit de peindre des femmes de leur temps toutes nues, ils peignaient des déesses. Comme ça, on pouvait rien leur dire. Malin! Diane, sortant du bain, musée du Louvre. Nous
Nous voici devant les quatre saisons. Quatre saisons? Mais ce sont des gens. Ah, mais vous avez vu? C'est ce qui s'appelle un trompe-l'œil. Ah oui, de loin c'est des portraits, de près c'est des fruits, plein de trucs de la nature. Cette belle jeune fille faite en fleurs représente le printemps. Et l'huile multicolore, c'est l'été. Une joue en pêche, des lèvres en cerise. Ah, je le mangerai bien, moi, l'été. Alors celui-là, c'est forcément l'automne. Ça va du plus jeune au plus vieux pour mieux représenter le cycle des saisons. Oui, l'hiver est un vieux monsieur en bois tout sec, tout triste. Le peintre a écrit son nom directement sur la toile. Archimboldo, peintre italien, très connu pour justement les trompe-l'œil. Et il a aussi réalisé des tableaux réversibles qui peuvent se lire dans les deux sens. C'est renversant comme information. Et il y a même la date, 1573. Ah, oh, alors il est mort le peintre. Dommage. Je voulais lui demander de faire mon portrait avec des joues en gâteau, des cheveux en réglisse, des dents... Chocolat! Toute noire, toute cariée, pour plus de réalisme. Les quatre saisons, musée du Louvre. Mesdames et messieurs, nous voici devant le tableau le plus célèbre du monde, la Joconde. Bah, il est plutôt petit. Et puis on ne voit pas grand-chose, juste cette dame-là avec son drôle de sourire. Il y a marqué Mona Lisa ici. Alors la Joconde, ça veut dire quoi? C'est son métier? Ce portrait représente peut-être l'épouse de Francesco del Giocondo, ce qui lui valut le surnom de Joconde. Qu'est-ce qu'a fait la dame les bras croisés? Peut-être qu'elle attend son amoureux? Mais non, on ne sait pas ce qu'elle fait. Ah bon, ben si on sait rien, pourquoi elle est célèbre? Peut-être parce que Léonard de Vinci est connu pour ses inventions. Il a même dessiné les premiers avions. Au Moyen-Âge? Mais non, à la Renaissance. Et puis le tableau est surtout connu car le sourire énigmatique de la Joconde et ses yeux qui ont l'éclat de la vie ont contribué à son incroyable notoriété. Je vais sourire moi aussi, comme ça je serai célèbre. T'es bête. Ce tableau, viens le voir parce que, bah, parce que tout le monde veut le voir, voilà. Bon. Alors, le vrai mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il est si célèbre au fond, ce tableau. La Joconde, musée du Louvre. Au secours! Et il y a un marin qui s'est noyé! Où tu vois ça? Ben là, t'es bigleux! Regarde, il n'y a plus que son chapeau! Faut appeler le SAMU! Nastico, il n'y avait pas le SAMU en 1895! Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée! N'importe quoi! Une bouée, c'est pas comme ça! La mienne, elle est ronde avec une tête de canard! T'es lourd! On est dans un port à Saint-Tropez! C'est une bouée pour amarrer les bateaux! T'es sûr que c'est un port? Il n'y a pas beaucoup de détails! Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses, c'est pas normal. C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue. C'est les reflets qui font ça. Normal, Signac. Il y en a vachement, c'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres. Il y a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts. Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac. C'est qui celui-là? Le peintre. C'était un divisionniste. C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque. Ah bah, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin. La Bouée Rouge, musée d'Orsay. Sur quoi il tire? Héraclès tue les oiseaux du lac Stymphale d'Antoine Bourdel. Comment tu sais ça, toi? C'est facile, c'est marqué en dessous. Héraclès, ça me dit quelque chose. Bah oui, Héraclès, ça veut dire Hercule en grec. Ça faisait partie de ses 12 travaux de tuer les oiseaux de ce lac. Parce qu'ils mangeaient les gens. Je te parie que tu les connais pas, les 12 travaux. Hein? Hé, arrête de lire! En tout cas, ça devait pas être facile de tirer dans cette position. Ah, Hercule en arrière! Ouais, bah t'as qu'à essayer si t'es si maligne. Waouh, t'as vu ses muscles? Vous pouvez toujours l'imiter, bande de minus. C'est l'homme le plus fort du monde. Oh, t'as raison, il est tellement balèze qu'il a même pas besoin de flèches. Ça lui fait une corde de moins à son arc. J'aurais jamais cru qu'il avait cette tête-là. T'as vu son nez? C'est pas un nez de boxeur? Ça s'appelle le profil grec, mais sois pas jaloux. Personne n'est comme ça dans la vie.
Et puis Héraclès est un personnage mythique, il n'a jamais vraiment existé. Comment Bourdelle pouvait connaître la forme de son nez alors? Héraclès tue les oiseaux du lac Stymphale, musée d'Orsay.